bonjour tout le monde. On se retrouve ou rebonjour si vous venez de regarder la vidéo précédente. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le unboxing du samedi avec la boutique FG Normal spécial Diamond Painting. Voilà, donc comme je disais, là, vous avez une vidéo juste avant, toujours avec la même boutique, donc le unboxing du samedi, mais spécial broderie. Donc si ça vous intéresse, que vous ne l'avez pas vu, hop, n'hésitez pas tout de suite après à aller la voir. Ici, donc ça va être du Diamond Painting et pour ça, j'ai trois kits à vous présenter. Donc j'en ai un grand, enfin un grand. Façon de parler par rapport aux autres, il est plus grand. C'est un 45 sur 45, et les deux autres kits, ce sont des 30-40. Ce sont tous les trois avec des perles rondes. Excusez-moi, j'aime pas, je vois ma tête. Oui, pour les nouveaux de la chaîne, en ce moment, je ne montre pas ma tête parce que j'ai un souci avec, avec mes dents. Bon, j'en ai marre de le dire, mais voilà. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas ma tête. Donc, je vais vous montrer. Ben, je vais commencer par le plus grand. Voilà. Allez, je vous montre ça. Je vous mets face bureau. Et on se retrouve tout de suite. Alors, ben, je vous montre tout de suite le dessin. Exceptionnellement. Voilà. Donc, c'est une petite poupée aux grands yeux avec des ailes. Voilà, un petit ange, on va dire. Je vous mettrai la photo. Alors, je vous montre ici, peut-être que vous allez bien le voir, voilà. Et je vous mets la photo comme d'habitude. Alors, je me suis trompée dans la présentation. Je disais que les trois kits, c'était des perles rondes. Ben non, celle-là, c'est des perles carrées. C'est des diamants carrés. Donc, voilà. je me suis trompée, mais bon, c'est pas grave. Donc celui-ci, il a 44 couleurs. Alors vous voyez que le fond va être blanc. Je vous annonce déjà la couleur. Il va être blanc. Donc il y a du blanc à faire. Malheureusement avec les DP, c'est que voilà, on est obligé de les faire les fonds. Une broderie, on va dire bon, il y en a trop, je vais pas le faire, je vais faire que le dessin. Mais en DP, on est obligé. Voilà. Donc là, ça va être du blanc. Oui, c'est le B5200. Voilà, tout ça là. Tout là, 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 là. alors, on a 44 couleurs. Dans les couleurs, on va avoir... alors... le noir. Le 939. Et donc, le blanc. Alors... je vous montre la légende. Je vais essayer d'enlever le flash et de voilà. Vous avez là les numéros. J'ai pas encore regardé les sachets, mais je pense qu'ils sont sur les sachets. Ici, on a les symboles. Alors, les symboles, on va avoir des chiffres. On va avoir des petits, bah, des petits symboles. C'est le cas de le dire. Des lettres majuscules. Vous voyez encore les symboles. Des lettres minuscules. Oui, on a les trois. Voilà. Celui-là, c'est la première fois. Une note de musique. C'est la première fois que j'ai un symbole comme ça. Là, on a les références DMC. Et ici, alors c'est très rare d'avoir ça sur les kits. C'est les quantités de perles que vous allez mettre. Voilà. Alors, par curiosité, on va aller voir le blanc. Combien on en a à mettre? 19 740 perles blanches à poser. Youpi! Vous voyez, par rapport aux autres. Là, bon, 500, ben, ça va, hein. Voilà, on dépasse. Bon, celui-là, 1013, c'est un bleu, je pense. Mais sinon, ce n'est que des petites quantités. Voilà. Et donc, le blanc, 19 740. J'en profite pour vous remontrer l'image. Alors, bon,
l'impression en blanc, ben ça va, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous montrer l'impression sur les couleurs. Bon, je vais laisser le plastique parce que le plastique est très très souple, très fin. Et la toile n'est pas très très épaisse non plus. Alors, on va essayer de... Ouais, c'est bon. À travers le plastique, on voit bien. Vous voyez, l'impression, ça va, nickel. Alors, du coup, vous avez des carrés. Vous avez des cases carrées. Voilà. Mais sinon, c'est un beau... un joli dessin. Alors, vous avez la référence. Alors, pareil, je vais vous regarder sur les perles si on a la référence. Ça, c'est la référence du kit. Si ça veut arrêter de flouter, voilà. Et donc, la taille 45 sur 45. Vous avez la légende. Je vous dézoome. En bas à gauche, en haut à droite. D'habitude, c'est le contraire. Mais bon, là, on a tout le contraire de d'habitude. Alors, les sachets de perles, donc des perles, il y en a, hein. Ouh, du blanc, il y en a. Oh mon Dieu, qu'il y a du blanc. Oh, c'est un gros sachet pour mettre. Alors, les blancs, attention, il y en a qui se sont barrés. Voyez, alors attendez, je vous zoome pour mieux voir. Voilà. C'est le 5200. On a un deuxième gros paquet. Alors, c'est celui-là qui a des perles qui... Ouais, dans celui-là, qu'il y en a qui sauvent. Rentre à ta maison, toi. Non, mais... Bon, j'ai deux, trois perles dans le sachet. Je les récupérerai après. Et voilà, le deuxième sachet de blanc. Donc, voilà. Plus de 19 000 perles à poser. Youpi! Allez, chou. Alors, je vais vous montrer les perles. Alors, je sais que la personne, je lui ai répondu, hein, elle a été très, très gentille. Je lui ai répondu très, très gentiment également. C'est normal, chacun donne son avis. Hein. Je suis désolée, excuse-moi, si tu es en train de regarder la vidéo, j'ai oublié ton pseudo. Pardonne-moi. Donc je lui ai répondu, mais elle me posait la question de demander pourquoi je présentais les perles, les sachets un par un pour montrer les perles. Alors j'en profite pour vous les montrer. Que j'étais peut-être pas obligée de les montrer toutes comme je fais pour que la vidéo soit un peu plus courte. Moi, ça me gêne pas. Je sais que les boutiques, pareil, sont contents aussi que je présente comme ça. Donc, j'ai tout expliqué hein, à mon abonné. Excuse-moi, j'ai oublié ton pseudo. Mais du coup, je voudrais quand même avoir votre avis. Est-ce que vous... mais on reste en restant... comment ? Votre avis à vous. Je ne veux pas avoir votre avis par rapport aux commentaires de cette personne qui n'a pas du tout été désobligeant, bien au contraire. Voilà. Elle me donne son avis, c'est tout à fait normal. J'aime bien quand on me donne son avis sur mes vidéos. Bah dites-moi, vous, est-ce que vous aimez bien que je présente les perles comme je suis en train de faire, une par une, enfin, paquet par paquet? Ou est-ce que vous préférez ne pas les voir toutes comme ça au détail? Voilà, mais dites-moi en commentaire, donnez-moi votre avis. Voilà, mais je vous dis en restant dans votre avis à vous uniquement, hein. Pas, voilà. Pas le, par rapport aux commentaires de cet abonné qui est très très gentil et que voilà. Je veux juste savoir. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a des petits sachets, puisqu'il y a des parties où on ne va pas en mettre beaucoup. Oh. Je me demande si je ne suis pas en train de préparer un petit rhume, moi. Oh. Je
je vais faire la ma mammographie aussi. Ça va, tout est bon. J'avais peur de cet examen, mais ça va. Rien à signaler. Donc, c'est bien. J'ai toujours un peu peur parce que moi, je suis déjà passée par la case cancer quand j'avais 40 ans. Il a été pris tout de suite, hein, donc je n'ai pas eu de soucis. Donc, je suis toujours un petit peu inquiète dans ce genre d'examen. Mais tout est bon, voilà. Ah, une autre sorte de blanc. C'est vrai que là, il y en a beaucoup, hein. Oh, et puis je suis bavarde hein, dans mes vidéos, voilà. Je papote, je papote, je papote. Enfin, je papote pas toujours. Vous avez des vidéos où je parle pas, hein, mais... C'est le 939. Ah oui, ben, je vous ai pas montré. Alors voilà, du coup, vous voyez, vous n'avez pas la référence du kit dessus. Vous avez la couleur, le numéro de la couleur, donc la première colonne. Ça, c'est la référence DMC. Et ça, c'est le nombre de perles qu'il y a dans le sachet. Donc, si jamais vous rangez votre kit à part, comme certaines le font, il ne veut pas celui-là, pour les garder à plat, pensez à mettre la référence du kit sur votre sachet. Enfin, sur votre sachet principal, hein, pas sur... Vous n'avez pas besoin de le faire sur tous vos petits sachets. Et le petit dernier, le voici. Voilà. Avec nos deux gros paquets de blanc. Alors, ce kit, c'est un 45-45. Et nous avons en prix 10 livres 99. Voilà. J'ai oublié de vous montrer qu'il y avait le petit toolkit avec, voilà. Donc, le petit plateau avec le bec verseur, la colle, une petite pince en métal, le stylet avec deux placeurs multiples, un petit et un grand. Et puis, le placeur unique, bien sûr, et la petite mousse pour ne pas avoir mal aux doigts. Voilà, désolée, j'avais oublié de vous le montrer. Deuxième DP, alors là on est dans les petits, enfin petits façon de parler, mais 30-40, hein, c'est quand même des DP plus petits que celui que je viens de vous présenter, voilà. Alors, on a le petit toolkit, là je ne vais pas oublier de vous le montrer, mais c'est un tout simple là. Et on a des couleurs en sachet, des perles, pardon, en sachet zippé, là ce sont bien des perles rondes. Allez, je vous montre ça. Hop, ça floute. Donc, deuxième paquet. Ah, beaucoup de rouge, hein. Et voilà pour les perles. Et tout, ces jolies perles pour Onogorgus. Voilà, toute rouge. Alors, ça va être un peu sur le thème Saint-Valentin. Hein. Voilà, il y a des cœurs, des fleurs, beaucoup de rouge. Donc, c'est une Gorgus Saint-Valentin, je vais appeler ça. Vous avez ici en haut la référence du kit. En haut à gauche, en bas à droite, vous avez les références avec les symboles. Voilà, je vous les montre.
Alors, on a des chiffres, on a des lettres majuscules, et c'est tout. Voilà. Donc là, on a quand même... Brésilia. Elle miaule derrière moi, 939, et c'est tout. Voilà. Donc, elle est vraiment très, très belle. Je me méfie, je vois Fifi qui va sauter dans 2 minutes. Alors, l'impression. Ça floute. Arrête de flouter. Non. Si j'enlève le plastique, ça arrêtera de flouter. Ah, ça veut pas. Ah, alors. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas tenir. Bon, croyez-moi sur parole, c'est bien imprimé. Ah, bah voilà. C'est bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Ça colle bien. Alors, cette petite Gorgus, toute mignonne pour la Saint-Valentin, elle est au prix de 4,99 €. Deuxième petit DP et dernier DP que je vous présente. Donc, c'est toujours un 40-30 et toujours en perles rondes. Voilà. Et donc, on a... je ne vous ai pas dit nombre de couleurs tout à l'heure. Là, ici, on a 31. Et tout à l'heure, est-ce que je le vois? Ah, il faut que je leur déballe. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'on en avait une 25, je crois, de mémoire. Allez, je vous montre les couleurs. Jolie couleur. Et on a un deuxième chapelet. Il n'y a pas beaucoup là. Ah, vous voyez, vous avez la référence hein, du DP dessus. Voilà. Le petit toolkit. Ça, je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais c'est comme d'habitude. Et devinez, on en Gorgus. Et oui, en ce moment. Alors, celle-là, elle cueille les cerises ou les pommes. Bon, plutôt les pommes. Voilà. Très joli aussi. Alors, niveau impression, allez, voilà, pas de problème hein. Blanc ou noir, c'est très bien imprimé. Il y a beaucoup de colle, enfin il y a de la colle. Voilà. Vous retrouvez les références en haut à gauche, en bas à droite. Et les symboles, comme d'habitude. Voilà, ce sont des chiffres, des lettres majuscules. Voilà. Et ici, on a 31 couleurs. Donc, cette petite Gorgus est également au prix de 4,99 €. Donc voilà, vous avez vu les DP que j'ai reçus donc de la boutique FG Normal. Je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup encore une fois. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai marqué surprise. Oui, j'ai décidé de vous faire une surprise lors de cette présentation d'article de Diamond Painting. Je vais vous faire gagner, voilà, et oui, vous voyez, je ne l'ai pas marqué. Je vais vous faire gagner le premier kit. Donc, celui-là, le grand, le 45-45.
Donc, c'est le kit de l'elfe. C'est une elfe. Donc, je vous rappelle qu'elle, c'est une 45 sur 45, qu'elle est en perles carrées. Elle est magnifique. Elle était, donc, je vous rappelle, c'est une, elle est d'une valeur de 10,99 €. Voilà. Et moi, je vais vous la faire gagner. Alors, comme d'habitude, c'est comme un concours normal. Il faut être abonné à ma chaîne. Donc, si vous n'y êtes pas, allez vite vous abonner. Hein. C'est là, 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 quelque part, là, là, ici en bas. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Vous appuyez sur la petite cloche. C'est pas le mot que je voulais dire, mais vous avez compris. Pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, pour recevoir la vidéo de, quand il y aura le tirage au sort. Ne vous désabonnez pas non plus une fois que les tirages au sort a été fait. Voilà, et que vous avez perdu ou gagné. Hein, c'est pas sympa non plus. Voilà, alors j'espère que la boutique ne m'en voudra pas de faire cette surprise pendant la vidéo unboxing. Mais pour une fois, je voulais la faire en surprise et vous avez été beaucoup à me dire de faire des concours aussi sans prévenir. Et ben c'est voilà, ça y est, en voilà, c'est fait. Donc là, bon, il y aura un seul gagnant pour l'instant. Donc, pour gagner ce DP, alors vous avez, alors on est le 10. Ouais, on est le 10. Je vais donner une semaine pour jouer. Donc, je vous mets les dates là. Donc, jusqu'au 17. Je pense qu'on est 10. Donc, jusqu'au 17, vous pourrez participer pour gagner ce DP. Mais pour le gagner, il faut me mettre le mot elfe. Donc, je vous le marque là pour savoir comment ça s'écrit. Hein, on ne sait jamais. Vous inquiétez pas, moi, il y a des mots aussi que des fois, je ne sais plus comment on les écrit. Hein. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, ELF, E-L-F-E, voilà. Si vous m'avez mis ce mot-là, c'est que vous voulez participer à ce tirage au sort. Hein. Voilà. Donc, jusqu'au... Ouais, c'est ça. Je vais faire 7 jours, donc jusqu'au 17. Et je ferai le tirage au sort le 18. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite surprise va vous plaire. Je profite pour dire que que j'ai bien eu tous les gagnants de la fois dernière. Les lots vont partir cette semaine. Là, avec mes rendez-vous médicaux, les grèves, etc., etc., je n'ai pas pu envoyer les lots tout de suite. Mais la semaine prochaine, tout est plus calme. Donc, tous les lots vont partir la semaine prochaine. Voilà. Merci déjà d'avance aux filles qui ont gagné d'avoir bien répondu, de m'avoir contacté. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous serez, comme c'est un concours surprise, j'espère que vous serez quand même nombreux à participer. Voilà. Et n'oubliez pas de me mettre le mot magique. Je l'ai dit juste avant. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. J'allais dire, je fais les bisous à la boutique. Pourquoi pas, hein? Voilà. Non, je remercie beaucoup la boutique FG Normal pour leur grande générosité et leurs articles que j'apprécie beaucoup. Et vous avez toujours des prix vraiment très, très, très raisonnables. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement avec Fifi pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!